L'initiative des GIA Pays de Loire, c'est une initiative très intéressante. L'installation, c'est même le passage de relais entre deux générations. Donc pour nous, banquiers, hein, en l'occurrence Crédit Mutuel, c'est un tuxo fort, l'accompagnement dans la transmission du savoir, dans la transmission des entreprises. Après, bah, c'est vrai que le projet à François et à Chala Plungeau, moi, il me tient à cœur parce qu'on était banquiers accompagnateurs. C'est des jeunes sérieux, très motivés, très compétents et en plus, qui ont trouvé une solution originale au travers de leur GEV. Pour permettre à leur installation. Alors, donc, c'est vrai que je suis ravie que ce soit à Brissac cette année par rapport à la remise de ce prix régional du dynamisme de la Chambre d'agriculture qui montre voilà, que les transmissions sont importantes, que s'installer est aussi important, que c'est la chance de l'économie française. Et puis par rapport donc, à Sheila et puis à François, c'est un réel plaisir qu'ils aient pu obtenir ce prix. C'est une valorisation du travail et de leur passion et aussi par rapport à la commune. Et puis juste trois mots qui me semblent importants et qui avaient été dits il n'y a pas si longtemps. On a eu la Saint-Vincent des sacs à vin à Brissac. Et puis notre prêtre avait dit trois mots concernant la terre. Et je pense que là, on peut exactement les remettre. C'est respecter, protéger et transmettre. Et là, on est tout à fait dans cet objectif. Les installations des jeunes agriculteurs perdurent et qu'il y ait des jeunes hors cadre familial qui puissent s'installer aujourd'hui. Première chose. Et deuxième chose, je suis aussi content de voir que les jeunes agriculteurs se structurent pour communiquer simplement avec les partenaires, je pense aux banques, là, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel qui sont là, et des partenaires aussi comme nous, Centre de Gestion, Safrance 49, qui accompagnons les jeunes. L'initiative qui est portée aujourd'hui, c'est vraiment un signe qui est donné à tous nos futurs jeunes agriculteurs d'un accompagnement et vraiment d'une volonté sur nos territoires d'accompagner toutes les installations. Et puis le dossier de M. Plungeau aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple de cette installation qui se fait dans un petit peu nouveau, hein, hors cadre familial, avec un parcours qui n'est pas typique aujourd'hui. Donc c'est vraiment aussi des projets qui sont vraiment à prendre en compte par la profession. L'agriculture, c'est un métier d'avenir, à mon avis. On le voit bien, hein, l'alimentation, l'idée d'avoir de quoi nourrir toute la planète, c'est pas quelque chose de révolu. Donc il y a des projets, il y a des projets qui sont viables, il y a des projets qui peuvent se travailler pour devenir viables. Donc, mais ça nécessite par une envie, une motivation, parce que l'agriculture, c'est avant tout une passion. Des nouveaux chemins à parcourir pour l'installation. On ne sera pas forcément demain dans les mêmes types d'installations qu'hier, avec des nouveaux profils, des nouveaux projets qui, en tant que producteurs, mais en même temps en recherche de débouchés innovants. Là, on parle d'exportation de 15%, donc c'est quand même un projet important. François, comme je le disais tout à l'heure, j'ai absolument aucun doute sur la capacité de François à catapulter cette entreprise. Parce que j'en doutais pas quand je l'ai installé, je reviens là 2 ans après sur l'exploitation. Et quand je vois le progrès, je me dis que dans 10 ans, je pense qu'on se retrouvera vraiment avec des avancées très très similaires. Où il y a du savoir-faire, où il y a encore beaucoup de potentiel en termes de surface. On a des vignobles qui ne demandent qu'à être valorisés encore. La viticulture des Pays de Loire, il y a encore beaucoup à faire en termes d'export. Généralement sur l'agriculture, on est quand même un bassin où il y a encore beaucoup de potentiel. On n'est pas saturé en terre d'exploitation. Il y a encore beaucoup de liens au sol qui permet de varier les productions, de faire de la production animale, la production végétale. Enfin, on a une variété de terroirs, une variété de productions qui font qu'aujourd'hui, potentiellement, on est...